Jour 2, après cette AMG GT R, incroyable. Magnifique Huracan Spider avec Jordan. Donc Jordan, je vais resserrer la main. Ouais, incroyable, moi je suis époustouflé par les voitures là aujourd'hui. Incroyable. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ton activité, ça se réaffiche ici, ton Instagram, le mien, on s'abonne. On est venu en Belgique quand même pour voir ces deux supercars. Donc magnifique. Est-ce qu'on dit Huracan ou Huracan? Huracan. Huracan. Oui. On reste là-dessus. Donc là, on part sur de l'italienne. Bon, celle-ci, occasion, tu la voulais pas. C'était le but ultime voilà, à atteindre. Voilà. Je peux te demander ton âge du coup? J'ai 32 ans. 32 ans, but ultime atteint, c'est magnifique. Je te souhaite le meilleur pour le reste, mais là, c'est déjà incroyable. Bon, combien de chevaux? 581. 581, celle-ci. En Spider, comme on disait tout à l'heure, tu... Voilà, c'était là. Toi, tu es... Celle-là, je la voulais absolument en Spider, ouais. Pour profiter du V10 qui sonne, qui donne des frissons d'ailleurs. Ah bah là, il y a quelque chose. Mais là, normalement, tu sens que ça vit derrière. Ouais, normalement, avec les plans de la vidéo et le V10, tu vas avoir des frissons aussi, hein, je te le dis. Non, mais c'est. Il y a tellement à dire. Bon, alors du coup, celle-ci, c'est la peinture d'origine? C'est une peinture d'origine, une peinture spéciale de chez Lambeau. Okay. C'est un Giallo Tenerife. Okay. Qu'on ne voit peut-être pas bien à la caméra, mais je sais pas si tu as vu tantôt le nacré, comme ça, toutes les paillettes. Oui, avec le soleil, qu'il y a dedans, ouais. on voit les paillettes très près. C'est une couleur qui est magnifique. Là, pareil, il y a un PPF, hein, donc on voit, ça atténue peut-être un peu la... On verra pas à la caméra, on verra pas. Il fait trop sombre, c'est pas grave. Tu disais, excuse-moi. Mais je dis en plus, il y a un PPF dessus, donc la couleur complet, donne moins que la peinture qui est dessus de base. Ça l'assombrit un peu. Un petit peu léger. Hein. Je comprends. Mais quand il y a vraiment le soleil qui tape dessus, on voit vraiment bien la couleur. C'est pas le beige jaune, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Tout à fait. Alors, on est pour les PPF, surtout avec des véhicules comme ça, parce que beaucoup de gens disent oui, pourquoi mettre PPF? C'est obligatoire. Là, des véhicules comme ça, on est obligatoire. Dès qu'on commence à arriver dans une certaine tranche, on va pas se mentir. Donc, Lamborghini de quelle année celle-ci? C'est une 2018 aussi. Ok. Ah, tu vois, j'aurais pensé juste l'année d'avant. Mais ok. Phase? Je pense, mais il n'y a pas eu de phase 2, je pense qu'à chaque fois chez Lambeau, c'est les évolutions. Okay. Donc après ça, tu as eu la 610, okay. Puis tu as la Huracan Evo, oui. Et puis ainsi de suite, la Technica, la STO. Après, on s'emballe. Je pense que chez Lambeau, ils montent comme ça, ils ne font pas de phase 2, je pense, sans certitude. Ouais, j'aurais pensé qu'il y avait des restylages sur certaines, mais tu as certainement raison. Mais je pense qu'ils montent à chaque fois qu'il y a un modèle différent et ils laissent... Mais sans certitude. Hein. Sans certitude quand même. Bon, on met ça entre parenthèses. Voilà. Là, il faut venir filmer là, les aérations. Là, parce que là, c'est incroyable. De toute façon, là, le design est fait par rapport aussi à l'aérodynamisme, ouais, de la voiture. Hein. La voiture, elle est aplatie. C'est incroyable. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais après, là, si tu peux revenir ici et qu'on voit. Bon, même moi qui suis petit, je suis à 1m65, 67. Tu vois, ça m'arrive au coude. La voiture est vraiment taillée pour prendre la route, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, beaucoup d'a priori sur cette voiture, trop facile à conduire, trop facile à prendre en main. Pas celle-là. Ou faux? Pas celle-là. Pas celle-là. Parce que, pourquoi? C'est une propulsion. Ok. Et dès que tu la mets en sport, c'est même pas sport ici, c'est Corsa. Ouais. Parce que tu as trois modes sur cette voilà série. Okay. Et donc en propulsion, je pense que quand tu la mets en sport, en Corsa, ouais, je pense qu'ils enlèvent les aides à l'arrière et ça peut être très violent pour le gars qui a jamais conduit de supercar avant. Oui, ouais, tu te fais très très vite surprendre. Je me suis déjà fait une fois peur avec. Ok. Qu'une autre des voitures ne me l'aurait pas faite et dans un virage, j'ai eu un coup de raquette. Ouais.
Et là, je me suis dit, ah, je vais devoir m'en méfier. Je vais devoir, à chaque sortie de virage, quand tu veux remettre vraiment un petit peu des gaz, il faut faire plus attention qu'avec une autre. Celle-là me pardonnera plus, par exemple. D'accord. Ah oui, alors pourtant, on pourrait croire l'inverse. Hein. Ça, c'est beaucoup plus facile à conduire. Hein. Ok, d'accord. Ah, que celle-ci. D'accord. Ah, tu vois, super. Là, je trouve celle-là beaucoup plus méchante. D'accord. Ah, tu vois, comme quoi. Bah, c'est super d'avoir l'avis de quelqu'un qui. Donc, c'est pas ton délire, hein, comme on disait. Non, du tout. Voilà, c'est. Bon, juste à partir du jeudi au dimanche soir. Mais, plus non, que le non. dimanche. S'il fait beau, hein, s'il pleut, elle reste au garage. Je comprends. Oui, là, c'est vraiment une voiture que tu respectes énormément. Oui. Tu la sors. Toutes mes voitures, de toute façon, hein, de base, ici. Bien entendu. Je les sors très rarement. Celle que je sors la plus, c'est vraiment l'Audi. Ouais. Mais petite RS6 quand même, hein, dans le fond, hein, au cas où. Hein. Voilà. Donc celle-ci est ton délit, comme on disait. Voilà. Voilà, ok. Oui, donc tu respectes les voitures. S'il fait mauvais, tu ne la sors pas, etc. Non. Je comprends. Au niveau des disques sur celle-ci. On n'est pas en céramique, là. On a les disques, d'ailleurs, qui sont les mêmes que sur la RS6. Niveau des jantes, ça, c'est du 20 pouces sur celle-ci ou plus? Je pense que c'est du 20 pouces, oui. Je dirais bien. Hein. Oui, du 20. Ouais. Du coup, c'est toujours les pneus d'origine de la voiture. D'ailleurs, il y a toujours le L de chez Lambeau qui est sur le pneu. Ça, c'est quand ça sort d'usine. Ça, c'est super intéressant. Voilà, on est là pour apprendre plein de choses. Non, mais c'est super intéressant. Véhicule, du coup, qui a très peu de kilomètres alors pour avoir encore les pneus. Je viens d'avoir 9300 km avec, oui. Mais pareil, jamais un burn, toujours faire attention à la voiture. On respecte la voiture. Non, c'est très important. Une autre anecdote, avec la Mercedes, j'ai réussi à faire plus de 17 000 km avec mon train arrière en propulsion. Ah, quand même. Ah, quand même. Jusqu'au bout. Je pense que c'est quand même énorme pour une propulsion avec autant de chevaux. Bah, c'est là que tu vois que tu prends soin des voitures. Mais pareil, jamais un burn, toujours faire attention. Et voilà. Je vois. Les burns sont interdits et on respecte le code de la route. Tout à fait. De toute façon, il y aura un warning qui se met au début de chaque vidéo parce que je ne veux plus de problème, moi. Donc là, on voit donc la Spider. D'ailleurs, on se fera une cinématique après pour voir la capote tout de même. Mais c'est magnifique comme ils ont fait les... Comment dire les, pas les comparaisons, mais les... L'aéro au-delà de l'aéro. Oui, les petites bulles. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le design, ils arrivent à jouer sur les couleurs. Oui. Pour faire sortir. Voilà, ça fait encore plus sortir la carrosserie. C'est magnifique. Alors après, avec les aérations derrière, c'est. J'ai toujours trouvé que les Lambeaux avaient un peu un air futuriste et vaisseau spatial. Tout à fait. Il y a ce côté-là, petit Aventador, hein, mais il y a ce côté-là très futuriste, très très soucoupe volante, hein, limite. Hein. On va loin, mais non, il y a ce truc très futuriste, même les. Bon, tout le monde connaît à force. Ceux qui ne connaissent pas ça, qui ont la passion touriste, mais même le rétro qui est atypique de cette voiture-là. Et la fameuse poignée qui s'ouvre comme ça, je me permets. C'est pour dire que là, c'est comme ça qu'on ouvre. Oui, et puis alors, avec la clé, quand j'appuie, ça s'ouvre tout seul. Hein. Oui, ça s'ouvre tout seul. Ouais. Tu as vraiment. Allez. En fait, c'est des courbes, mais assez cubiques, quoi. Tu dirais que ça part un peu en flèche. L'arrière est vraiment large et ça redescend tout doucement en. Ouais, comme tu dis, comme ça. Puis alors avec le Spider, qui fait quand même un énorme clin d'œil à quand les mecs avaient les casques sur les circuits, etc. Ouais. Là, les deux lignes. Un magnifique. Peu comme une Porsche Spider. Exactement, c'est ça. De toute façon, voilà. Donc Spider, pour ceux qui n'ont encore pas compris, c'est pas l'araignée. Hein. C'est vraiment la capote hein, qui s'enlève. Hein. C'est le décapotable. Hein. Donc du coup, niveau entretien là-dessus, annuel, qu'est-ce que ça dit, les coûts, etc. Un entretien chez Lamborghini, un petit entretien pour une Huracan, pas une Aventador, on est plus ou moins à l'entrée des 1800 euros. D'accord, ok. Ça reste encore... Pour une Lamborghini, ça reste quand même correct. Tandis que tu disais que par contre, Aventador, là, c'est oui. tout Oui, après, rien. Voilà, j'ai pas d'Aventador, mais de ce que j'ai entendu de connaissances qui en ont, ça chiffre vite sur une Aventador. Et je pense que pour travailler sur l'Aventador, ils doivent carrément démonter le pare-choc arrière pour aller dessus. Le coup à... Voilà. Parce qu'ici, on est plus sur un moteur typé Audi, hein, de base. Oui. Donc, de toute façon, c'est plus facile à travailler, je pense. Exactement, on est tout à fait d'accord. Avec ces feux qui sont magnifiques. Là, tout derrière, ça appelle ça du nid d'abeille, du coup, ou pas? Ils appellent ça nid d'abeille? Je pense, oui. C'est magnifique de voir ouvert. Parce que des fois, sur certaines voitures, malheureusement, ils ne sont pas ouverts. Et là, ils le sont. Magnifique. Après, donc, du coup, la ligne qui est d'origine ou c'est une ligne... D'origine aussi. Tout est d'origine. Oui, tu me l'as dit tout à l'heure, excuse-moi, mais savoir si d'origine, sur ce modèle-là, ils avaient mis une... Mais vu qu'on est aussi en phase 1, en 2018, donc il n'y avait pas encore toutes les normes qu'on a maintenant, on est en échappement qui fait quand même beaucoup plus de bruit que les nouvelles.
qu'une 2020, par exemple, fait beaucoup moins de bruit. Oui, il faut pas oublier ça maintenant. Donc, avec tous il n'y a même pas besoin d'en mettre un ici sur le V10 qui chante déjà pour moi fort. Oui. La cylindrée, on l'a dit C'est un 5 litres 2. 5 litres 2, 5 litres 2 V10, atmosphérique, avec 581 chevaux pour ce modèle-ci. Ça, je l'avais bien entendu, le 580, mais ah ouais, incroyable. On se fait l'intérieur gentiment, du coup. Oui. Donc là aussi, clin d'œil, il y a même là le Huracan Spider qui est marqué au-dessus. Hein. Très, très discret, noir brillant sur noir, on va dire entre guillemets mat, mais ouais, c'est bien. Donc là, cockpit d'avion. Oui, avec tous les boutons. Hein. Vraiment inspiré de l'aviation, là, on peut pas dire l'inverse. Hein. Puis alors, est-ce que c'est sur l'Huracan qu'ils l'ont sorti en premier, ce fameux clapet là que tu ouvres? Je me pose la question, c'est pas sur l'Aventador ou sur l'Huracan, mais... Je pense que c'est sur l'Aventador. Sur l'Aventador, parce que les premières Aventador datent de 2014, je pense, dans ces eaux-là. Même avant, je pense. Que j'ai déjà vu des 2011, 2012, dans ces eaux-là. Ouais. Moi, je dirais oui, dans ces eaux-là. Après, et ils avaient déjà le clapet, hein, je pense. Oui. Ah oui, c'est peut-être Aventador. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est incroyable. L'insolence. Alors là, ici, après, on a les rappels de nid d'abeille, comme on disait. Avant-arrière, l'appareil. Mon Lamborghini magnifique, hein. Magnifique de chez magnifique. Les palettes au volant que tu peux pas louper. Ah oui, bon, le seuil de porte, Huracan. Il y a un rappel partout. En fait, il y a des rappels partout. Les palettes, tu peux pas les louper. Elles ne demandent que ça. Ton volant peut être dans n'importe quel sens, tu as ta palette pour changer. En plus, alors à savoir que celle-ci, les palettes restent fixes et ne sont pas... Non. Voilà, elles restent fixes. Ce qui est mieux pour la conduite, tu trouves, toi, personnellement? Ou c'est qu'une habitude à prendre? Plus une habitude, voilà. Ouais. Ah ouais. Les sièges, qu'est-ce que tu en penses de cela? Bah, la config, elle est simple, je trouve, mais elle est très belle. Alors, on a le Alcantara avec des surpiqûres jaunes et le cuir. Voilà, il faut pas, c'est pas nature de course, donc je trouve que les sièges sont assez confortables et vont bien avec la voiture comme ça, je trouve. Oui, de toute façon, oui. Après, assez confort pour faire des heures de route malgré tout. Ils sont confort, mais pour moi, ça ne va pas parce que je suis beaucoup trop grand. Oui, bah, t'es cher. Je fais 1m98. Et d'ailleurs, quand je m'assieds dedans, mon front dépasse de la... Oui, mais ça, tu sais que j'allais t'en parler à la fin. C'est plus une voiture pour les petits. C'est le seul défaut que pour moi, hein, cette voiture-là, c'est que mon siège est à fond et que... Okay. Tu es l'effet sur la route, hein, faut se le dire. Hein. Voilà. Là, à 15 cm, hein, si on enlève la carrosserie, c'est impressionnant. Ouais. Hein. C'est impressionnant. Non, mais... Je vois. Toi, le plus long trajet quand même que tu aies fait avec cette voiture-là, c'était Luxembourg-Belgique. Ok. Oui, d'accord. Tu t'aventures pas non plus à aller faire. J'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres avec cette voiture-là, vu que ça fait à peine un an que je l'ai. Et voilà. Après, j'y fais attention. Je roule pas tous les jours avec, donc. Ouais. Je pense que tu es en assurance société de toute façon. Non, elles sont en privé. Elles sont en privé. Elles sont en privé. Je t'ai pas demandé pour la. Du coup, la seule, c'est le R6 qui est dans ma société. Le reste, tout est en privé. D'accord. Tu peux nous dire combien pour assurer cette voiture-là, soit à l'année ou soit mensuel, combien ça coûte tout de même pour ceux qui ont des rêves, hein, parce que. En Omnium alors. Ouais. En Omnium au Luxembourg, j'étais dans les 3 100 € juste l'Omnium par an. Hein, Ok. En valeur de la voiture. Ouais. Allez, donc il y a un an, quoi. Et il faut savoir que le V10, c'est le dernier V10 de chez Lambeau. Donc maintenant, le modèle, on veut une Huracan, on ne sait plus en avoir. Oui, donc bon. Les cotes commencent à monter tout doucement. J'allais t'en parler, mais ça, on en parlera après des cotes de la voiture. Donc oui, donc ok. Et du coup, le litrage, même si on n'a pas encore montré, mais pour 100 km, tu fais du combien, le minimum? Je t'avoue que je n'ai jamais vraiment regardé. Il y a un gros réservoir. Hein. Il y a un gros réservoir. De combien, du coup, tu sais? On est plus ou moins dans les 68, 70. Non, plus dans les 80. Ah, ouais. Tout de même. Ouais. Ah, oui. Et c'est que la voiture doit consommer quand même, parce que oui, on a quand même un 5 litres 2, donc il faut donner à boire ici au taureau. mais totalement. Tu penses tout de même, on est de base au moins à 18, 20 litres. Tout dépend comment tu vas rouler. En mixte, moi je disais, parce que si. Ouais, c'est dur à dire. Ouais. Ça dépend un peu de la conduite des gens. La prise en main. Voilà, tout dépend si tu la laisses en strada, ouais. ou en sport ou en course. D'accord. Bon, si tu ne sais pas, c'est pas grave. C'était juste pour avoir peut-être... Mais je peux entendre que c'est dur à dire. Puis c'est pas ta seule voiture. Hein. Oui. Il y a ça aussi. Mais Puis, de toutes les voitures, c'est celle que j'ai roulé le moins avec. Hein. Tout à fait. Je n'ai pas, encore, moi, j'ai pas encore réellement roulé beaucoup avec. Là, oui, donc...
Je comprends. Je comprends tout à fait. Ensuite, du coup, à l'intérieur, tu aurais quelque chose à rajouter qui est nécessaire à savoir, pas savoir? Mais il y avait une option que je voulais absolument, c'était le lift. D'accord. Parce que je sais pas si tu as vu, tu es descendu par les lacets. Oui, chez vous, c'est un peu. Je me suis cru en savoir hein, tout à Voilà, l'heure. les Hein, routes sont vraiment dégueulasses. Et sans le lift, c'est impossible de rouler. Hein. Okay. Donc le lift, pour ceux qui ne savent pas, très très simple. Hein. C'est un bouton qui permet de lever la voiture ou rabaisser la voiture. De combien de centimètres à peu près, tu sais? Bon, pour pouvoir passer les Dodan et les Ninpo, Voilà, au plus simple. le Mais plus simple. au moins ça ne t'arrache pas. C'est fou que ça soit en option quand même, ça. Oui. Ah ouais. Ah non, mais tu vois, j'aurais pensé que c'était des modèles qui sortaient. Enfin, ouais, pas ces options, tu vois. Ok. C'est fou. Est-ce qu'on peut juste voir le cockpit? Nous le démarrer, qu'on le voit. Alors, pas démarrer la voiture, hein, mais démarrer le cockpit, qu'on voit vu que tout est digital sur cette voiture. Ah ouais, je suis étonné de ça, le lift, que ça soit une option. Ouais. Ils vont chercher jusqu'au bout, hein, quand même. Donc, Après, tout dépend les routes. Hein. Chez vous, en France, les routes sont magnifiques. Hein. Oui, on a quand même cette chance-là. Au Oui, moins, on oui, paye des oui. impôts, on sait pourquoi, tu vois. Mais non, non, mais on a des belles, on a des belles routes. On a des belles routes. Ah, sublime la voiture. Bon, on va regarder le coffre. Alors là, je sais pas ce que tu mets dedans dans Ben, écoute, pas celui-là, mais grand-chose. tu mets la mallette pour aller signer la future, pour aller signer la Black Series du coup. Tiens, viens filmer. Je t'ai pas fait filmer. Oh là, c'est les feux là, le design, putain, c'est. Elle est incroyable. Hein. Et depuis longtemps, tu savais que tu voulais une Lamborghini? Depuis que j'ai 8-10 Ouais, ans, j'ai toujours. ce que j'allais dire. Ouais, ce que j'allais dire. Autant Ferrari m'a jamais Ah, excité, j'allais en venir. à part 2-3 modèles comme la 812 que j'aime encore bien. Oh là là, la Superfast, là, oui, elle est. Oui, Ah, c'est quelque chose. Hein. ça c'est Là, c'est vraiment. quelque chose. Mais j'ai trouvé toujours que Lambo avait plus de style, plus sportif. Ouais. Voilà, quand tu es jeune, je trouve que la Lambo, Ouais. peut-être en vieillissant, pourquoi pas une Ferrari? Oui. La 812 te fait de l'œil. Ouais, la 812, j'aime encore bien ce modèle-là. En rouge, tu la prendrais ou un truc un peu Avoir, plus. Oui, tu sais pas avoir, encore. ouais, comme Ouais, ça, je ouais, saurais ouais, pas ouais. dire, mais avoir un peu tomber sur une belle config. Je vois, ouais. Ah ouais, c'est. Bah, Ferrari, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est la bataille. Ça a toujours été la bataille, hein, de toute façon. C'est la bataille, ouais. Mais moi, je suis pareil. Je suis plus team Lamborghini. Vieille Ferrari, comme je te disais tout à Ouais. l'heure, F355, des choses comme ça me percutent plus Tout à fait. que. Bon, la 812, ça reste. Mais après, en soi, ça reste des belles voitures, Ferrari, hein. Attention, Elles sont toutes belles. c'est de toute façon, il s'est imprégné de ça aussi. Hein, Ah, voilà. clairement, Mais clairement. il y a ce truc chez Lamborghini, c'est rageur. C'est. T'as l'ADN plus sportif, plus rageux, comme tu dis. Ah, c'est Et je fou. trouve qu'en étant jeune, la Lambo, je sais pas, Ah, ça. ça fait plus, je sais Je pas. vois, je vois, je vois. Pour finir bien, oui, pour finir bien la belle Ferrari. Ouais. Je peux entendre je peux entendre ça, cette idée. Donc comme tu Super. vois, le coffre, Ouais, là par contre, le coffre. tu vas pas au top marque en tout cas. Ou alors tu Ouais. prends deux slips, Je veux mais... dire, même quand t'amènes madame, c'est compliqué là. Hein, parce Oui. que. C'est... Ouais, je vois, je vois. Non, là après, c'est compliqué. Mais bon. Je vois. Pas d'extincteur dans ces voitures. Pas encore. L'extincteur, bonne question. Faut t'en faire un beau jaune Lamborghini, au Ben moins. écoute, j'en ai un, mais plus en déco dans mon Ouais, bah salon. oui. Et puis le jour que tu vas être au bord de la route, qu'il va avoir Oui. besoin. Non, je te souhaite pas, mais oui, j'entends, j'entends. Bon, ben voilà, Ben, donc. on a quand même les gants Lambo fournis avec, hein. Mais non. On a des gants Tu veux Lambo. nous les montrer? Mais là, c'est cadeau, c'est pas sous option. Ah ouais, non, non, ça Hein. c'est... Ah, attention, c'est encore dans l'emballage, ils sont collection Ah ceux-là. Super, super. Et donc, La petite plaquette de couleur avec la couleur bien spécifique. alors, j'allais dire, par contre, c'est pas comme sur Ferrari, on n'a pas les plaques avec toutes les options. Non, 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 pas du ça tout. non. Hein. J'étais pas sûr, hein, je dis une Ici, bêtise. on n'en a pas, non, Ce c'est chez sera Lambo. peut-être pas dans la vidéo, mais là, c'était pour ça. Parce que sinon. Ouais, parce que là-bas, eux, Ferrari, hein, Mais pour ça, oui, ils hein, se couchent même là-dessus. Hein, même aller, je veux dire, pour le copilote, avoir l'écran digital avec la vitesse Ouais, devant, je trouve ouais. ça Ça, assez chouette, c'est. ouais. Je crois quand même qu'il y en a. Alors, je sais pas si c'est chez Porsche ou Ferrari, mais tu peux choisir la musique de Ah, ton. de chacun de son Ah côté? ouais, Ah ouais, ouais, ah ah, ouais. ça je savais pas. La ventilation, ça va loin. Hein. Ça commence à aller loin. Hein. Là, on est loin de notre époque. Nous, on voyait déjà les voitures avec des yeux comme ça. Et donc, du coup, l'arrière, est-ce qu'on pourra voir le moteur? Oui, hein. Après, on voit pas grand-chose. On va faire au mieux.
Dans tous les cas, on va l'entendre au pire des cas. Ça oui. Il est plus en dessous de la capote en fait, le moteur. On est comme un peu quasi comme un moteur central arrière. Hein. Ouais, ouais. Et il est central arrière en fait. Ouais, il est central et il arrive vraiment. Voilà. Ouais. Le seul désavantage de la Spider, c'est qu'on ne voit pas le moteur. On peut pas tout faire. Oui, non, cas, mais c'est oui, pas oui, tout à voir. J'entends. Ah, c'est beau. Cette petite guêpe, petite abeille au final. Mais ce qui est toujours semble étonnant, c'est que c'est quand même ouvert, quoi. Ben oui, oui. Donc oui, quand il pleut et tout ça. Non, ça doit résister, hein, de toute façon, mais. Ouais. Le petit vérin, il est là. Mais... Ah, c'est magnifique. Bon, on va se faire mal hein, pour la fin. On va en parler de la cote du véhicule dans tous les cas. Donc, du coup, tu saurais nous dire 2024, cette voiture-là, par exemple, à tant de kilomètres, c'est quoi la cote ? Pareil, ça va dépendre beaucoup des kilomètres. Ouais. La première Lambo à vendre en Belgique, en Huracan, avec 50 000 kilomètres, je pense, elle est dans les 234 000. Okay. Et puis bon, plus on va avancer, tout dépend des options, si c'est une Evo, si c'est… Tout à fait. Donc là, au niveau, pour ne pas se tromper, ouais. Huracan, ouais. Huracan Spider, Huracan Evo, ouais. Et ensuite, c'est quoi ? Huracan Evo, après tu as eu la STO, ouais. Il y a eu la Performante aussi, oui. avant l'Evo, je pense que c'était la Performante. Oui, la Performante. Et puis, tu as eu l'Evo, et puis la STO, la Technica… Oh oui. Et puis ils ont refait un modèle un peu le 4 roues motrices là. Celui un peu 4x4 là. Voilà. Ouais, un peu 4x4. Ils l'ont fait en sablé d'ailleurs. Enfin, une espèce de sablé, la ouais, couleur ça, ouais. Sable, ouais. Avec le 63. Hein, oui. Oui, magnifique, magnifique. Oui, oui, je vois. Bon, bah les photos se mettront là, mais c'est pour faire un peu l'évolution voilà, pour voir un peu l'évolution de l'Huracan. Ah non, c'est magnifique. Bon, bah donc, il y a un certain. Faut sortir le chéquier là. Là, faut et sortir, je pense que plus on va attendre, plus on va attendre et bah, plus sûr. On va devoir. Bien sûr. Non, puis on est sous V10 hein, quand même. Donc forcément, là, il faut se lever de bonheur maintenant. Celui qui en veut une maintenant, ouais. Bah, il doit d'office en prendre une qui est sur le marché. Exactement. Donc, et si tu veux une qui est bien optionnée avec pas trop de kilomètres, bah, il faut mettre les gros prix. Quoi. C'est ça. Ah non, c'est fou. Bref, je te remercie encore. Bon, bah là, du coup, on va finir la vidéo en beauté. Tu vas nous la capoter et puis ensuite. On va démarrer. Démarrer. Monstre, mais hein. Sache que je te remercie énormément. Avec plaisir. Pour ton Instagram, tout ça se remet, etc. Comme on l'a dit. On s'abonne parce qu'on est quand même venu en Belgique voir ce monsieur. Et vraiment, vraiment top. Top de chez top. Au plaisir de te revoir. Et là, je le pense. Oui. je te le dis en caméra, mais c'est sincère. Et on se reverra sûrement sur des événements. Ben, avec plaisir. Si jamais déjà tu retournes au Top Marque, moi, 2025, c'est prévu. Tu vas, ouais. Au cas où. Oui, je voudrais aller vlogger et faire un vrai vlog Top Marque. Ah ouais. J'attends de prendre un peu, tu vois, puis après on y va. Bah, j'y retournerai bien une fois, hein, qui n'a ma voiture. Si 2025 ou un autre, on se redira avec plaisir, on se croise là-bas. C'est le temps qu'il faut. Exact. Mais... C'est ça le problème. On court après le temps. Hein. Voilà. On court après le temps. Ouais, c'est tac-tac. Hein. T'arrives le dimanche matin, tu viens de prendre ton pain, t'es content. Hein. Y a le chasseur qui arrive. Top. Du coup, ben, on va écouter hein, le V10. Incroyable, incroyable. Messieurs, dames, on s'abonne. Merci d'avoir regardé.